Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi 18 et je filme à partir de mardi parce que j'ai eu un gros week-end. J'ai dû prolonger donc mon week-end avec le lundi parce que j'étais vraiment HS, parce que je suis restée une partie de la nuit debout en attendant des résultats PCR pour que ma grande puisse partir à son voyage scolaire. Et pas de bol, le test n'est jamais arrivé. Il est arrivé une fois qu'elle était partie. Bref, hein, on est en pleine période de Covid, hein, tout le monde le sait. C'est la merdouille parce qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien de cohérent. Bref, je ne vais pas débattre là-dessus, mais voilà. Donc c'est parti, donc on est dans le noir parce qu'il fait très très gris dehors, mais on est en plein hiver, donc j'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Je vais peut-être allumer, on verra peut-être mieux. Ouais, lumière jaune, on adore ça. Donc c'est parti aujourd'hui. Donc du coup, comme je n'ai rien pu faire hier, je vais rattraper toute ma taille aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, nous avons toujours le sapin. On est complètement à la ramasse, nous. On n'a pas eu le temps cette année de bien s'organiser. On n'a pas eu le temps de défaire notre sapin. Et j'avoue qu'on a un peu la flemme, du coup, personne silence. Donc, je vais m'y coller aujourd'hui. Il est temps, on est le 18 janvier, il est temps d'enlever tout ça et de remettre ma petite maison à jour totalement. Donc, on va faire ça. Ensuite, j'irai faire mon petit live make-up. Et je vous reprends après. Je ne sais pas si je vous ai montré dans le rush précédent, voilà, j'ai fait de nouveaux ongles. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de douceur avant de redémarrer avec une couleur un peu plus flashy. Voilà, voilà, donc je vous reprends un peu plus tard. Et voilà, la maison est enfin rangée. J'ai réussi à faire toute la maison, je suis trop contente, j'ai hyper bien avancé. J'ai fait mon live make-up, aujourd'hui j'ai fait un look express, donc parfait pour les mamans pressées. Et là, je vais me poser un peu. Je vais vous montrer mon DP. D'ailleurs, je vous avais dit, je vous montrerai dans le vlog précédent. Mais du coup, je l'ai clôturé. Donc, je vais vous montrer dans celui-ci. Je vais vous montrer l'avancée de mon nouveau DP. Hop. Regardez, mes petites bêtes sont au propre. Hop, mes petits hamsters. Ça grignote, ça grignote. Donc voilà, donc je me suis occupée aussi du coup de mes petites bêtes et j'ai mon chat qui me surveille. Donc je vous montre tout de suite le DP. Et voici mon nouveau DP. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, c'est une femme avec des couleurs tout autour. Je trouve trop trop beau, je l'ai vu sur un groupe Facebook, du coup j'ai craqué. Et voici mon avancée, je suis contente parce qu'en plus il est super agréable à faire. Voilà, les perles se mettent très bien. Voilà pour mon nouveau DP. Je crois qu'il a des envies de dehors. Snow? Il a bien grandi ce petit bébé chat. Snow? Hey, nouveau rush! Aujourd'hui, on est jeudi. Je sors de mon live make-up. Regardez ce superbe look que j'ai fait aujourd'hui. Si vous voulez revoir, c'est sur ma page Facebook. J'avais envie d'un rouge à lèvres foncé et je trouve cette couleur trop canon. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, je vous retrouve pour une ouverture de colis. C'est un gros carton et c'est une commande de chez Lova Nice. Vous savez, j'adore ces produits. Donc, c'est les produits que j'ai choisis pour ouvrir mon institut de prothésiste ongulaire. Je vais travailler avec cette marque que j'ai testée et approuvée. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, hop, des petits polystyrène. Et on va commencer par... Tadam! J'ai repris une lampe UV. Elle est trop belle! Oh là là, la classe! Alors, elle est hyper bien emballée. Elle est trop design. Oh, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. J'adore, j'adore. Waouh. Cette beauté. Elle est trop belle. Donc, nouvelle lampe. Donc, pour mon institut, j'en avais une, mais j'avais envie d'un design différent. Excusez-moi. Et regardez comme elle est trop trop belle. J'adore. Et donc, ce que je peux voir, c'est qu'on a différents modes. Là, on a 10, 30, 60 ou 99 secondes. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, comme ça, on peut ajuster selon les gels qu'on utilise. Elle est hyper profonde en plus. Voilà pour mon premier achat.
Hop, et bien évidemment, il y a l'adaptateur qui va avec. Trop canon. Hop. Et bien sûr, j'ai fait quelques achats de vernis et de produits. Alors, on a une petite carte. Oh, de meilleurs voeux, c'est trop cool. Ah, ça fait toujours plaisir, ça, c'est top, les petites intentions de la marque. Donc, j'ai repris des bâtons de buis, indispensables. Hop, j'ai repris une, un bloc polissoir. J'adore cette forme de bloc. Je trouve qu'ils sont super pratiques à utiliser. Et donc, du coup, on a deux côtés abrasifs. On a un côté 100 et un 180. Voilà. Je trouve que même la largeur et tout, pour moi, c'est une bonne prise en main. J'aime bien avoir un truc qu'on sent bien dans la main. Donc ça, je trouve ça trop cool. Et j'ai pris une lime à ongles. J'avais envie de tester la forme courbée. C'est vrai que j'ai que des... j'ai que des normales. Voilà, j'ai que des comme ça. Et là, j'avais vraiment envie de tester avec la forme arrondie. Pour vous voyez, au niveau de la cuticule, je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc, à tester. Oh, petite attention de la marque. Ça doit être des fruits... des fruits secs. Ça, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que l'Ovanel, nice. À chaque fois qu'on fait une commande, j'ai toujours eu des chocolats, des bonbons, des gâteaux. Ensuite, j'ai pris un petit pot. Ça aussi, je trouve ça trop cool pour les gels, d'avoir différentes tailles de contenance. On en a trois différentes, je crois. Donc, quand vous voulez tester, voilà, vous prenez le plus petit format. Donc là, j'ai pris le 15 ml. Et je trouve ça juste génial d'avoir des mini flacons, pouvoir tester le produit, savoir s'ils nous correspondent, si on arrive bien à travailler. Parce que d'une personne à l'autre, on travaille différemment. Et on a les produits... il nous faut des produits adaptés à notre façon de travailler. Et donc, chez Lova, vous avez la possibilité de choisir la quantité de votre produit. Et ça, je trouve ça juste trop génial. Donc là, j'ai pris le... Ouh. Hop, en version clear, j'ai pris donc un nouveau produit. Oui, je crois que c'est une nouveauté. Salon Builder. Donc, je crois que c'est les gels faciles à travailler qui font base et construction. Donc, je vais tester ça. Trop, trop cool. Et la meilleure partie pour la fin, tadam, j'ai pris la collection thé. Ah ben oui, je suis bête. Ça doit être du thé, ça, en fait. Ah, à mon avis, c'est du thé. À mon avis, moi je me plante. Et donc j'ai pris la collection T. Les couleurs étaient juste trop canon. Oh, j'adore. Dans une jolie pochette, on voit ça avec un joli cœur. Et je vais arriver à tout sortir. Oh, j'adore. Regardez-moi ça, ces couleurs. Oh. Oh, canon! Alors, je vais pas tarder à les tester. Moi, je vous le dis. Donc, on a la couleur Elisabeth, donc, qui est un joli vert. On a ensuite la couleur Andy, qui est plutôt un rose pêche très, très doux. Ah, c'est trop joli! Je ferai les swatchs et je vous laisserai la photo juste après. Voilà, on est sur un gris anthracite un peu... ou beige, non plutôt en beige, et c'est le Wendy. Hop, ensuite on a le Kidzy, qui est plutôt un genre de vanille. Regardez-moi cette couleur, c'est trop beau. Et pour finir, la couleur juillet, et je crois que c'est la plus belle couleur. Regardez-moi ça. Ah, son canon. Ah, franchement, très belle collection. C'est une collection qui me faisait envie depuis un petit moment. Et donc, ben, j'ai craqué. Hop, je vous ferai les swatchs et je vous montrerai tout ça. Ensuite, voilà, super contente de ma commande. Je vais pouvoir aller tester tout ça. Et on se retrouve pour un prochain rush. Alors, suite au déballage de mon colis, j'en profite pour vous montrer un peu l'institut. Je vous avais filmé la dernière fois.
mais c'était pas totalement fini. Là, ça y est, ça touche à sa fin. Donc, j'ai installé la lampe. Elle est trop, trop belle. Hop. Donc, je vous montre tout ça. Je voulais tester, voir si mes deux lampes passaient parce que j'avais envie de mettre deux lampes pour plus de praticité. Du coup, la prochaine étape, ça va être de changer celle-ci. Elle passe nickel. Elle est large, mais voilà, j'ai de la place d'en mettre deux. Ça, c'est trop cool. Voilà, et là on a les petits vernis qui attendent d'être testés. Et surtout, je voulais vous montrer le fauteuil que j'ai reçu la semaine dernière. Je vous l'avais montré, mais pas installé. Et il est hyper confort, on est hyper bien dedans. Les clientes vont être bien installées avec tout ça. Et j'ai fait quelques changements ici. Donc du coup, mon duolab, il atterrit ici. Et j'ai rajouté donc des prestations dans mon institut. Donc là, on aura la partie maquillage et beauté. Et là, on aura la partie prothésiste ongulaire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant, mon institut est ouvert. Donc voilà la collection T, elle est trop trop belle, les couleurs s'appliquent super bien. On a de jolies couleurs en transparence. Hop, j'ai appliqué vite fait sur mes doigts, voir ce que ça donne. Alors, les couleurs sont vraiment très très jolies. Donc voilà pour ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve pour un prochain vlog. Ciao, ciao!